Comment apprendre à mieux se connaître? Alors je vais te donner trois clés, trois étapes pour apprendre à mieux se connaître. Premièrement, donc comme tu as vu le titre, l'effet miroir. Le plus important, c'est de te mettre totalement devant un grand miroir, le plus grand que tu as, et de te regarder. Mais de te regarder réellement. Donc, regarde-toi ton visage, le contour de ton visage, et regarde-toi à l'intérieur de tes yeux. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es dans l'amour en te faisant un sourire de bienveillance, en t'aimant et en ressentant tout cet amour que tu te donnes à toi-même? Car l'effet miroir, c'est le reflet de ton propre miroir. Quand tu te regardes réellement, pas le cœur physique, mais réellement à l'intérieur de toi, tu vas voir ton âme. Est-ce que tu te souris après quand tu regardes le miroir? Ou est-ce que tu as du mal et tu détournes le regard? Est-ce que tu te dis santé, richesse, abondance et que tu arrives à te regarder pleinement quand tu dis ces mots-là? Apprends à te connaître, c'est à te découvrir tel que tu es. En étant authentique, en étant toi-même, avec tes défauts, avec tes qualités. Tout simplement, j'ai envie de t'aider à comprendre comment ça se fait que tu ne te connais pas. D'ailleurs, j'ai envie, tout simplement, pour que tu puisses te connaître, et du coup, ben, ce serait bien que tu puisses faire cet exercice, c'est de marquer 100 croyances en 5 minutes. En 5 minutes, tu prends une feuille A4, tu prends un chronomètre, ta montre, peu importe, un chronomètre. Et en 5 minutes, tu mets 100 croyances de qui tu es, de ce que tu veux et comment les gens ils te perçoivent. Donc, pour donner un exemple, je suis. Après le je suis, quelles sont tes croyances? Et tu les marques. Après, sur les 100 croyances, il y a les croyances des personnes qui vont te dire et qui vont voir et qui vont t'apercevoir tel que tu es. Donc tu peux marquer aussi, est-ce que ces personnes me voient? Comment ces personnes me perçoivent? Comment je me vois dans 5 ans, dans 10 ans? Quelles sont mes émotions que je transmets? Et quelles sont les émotions que j'aimais? Tu fais cet exercice en 5 minutes, tu marques en automatique, d'accord? Tu fais ces 100 croyances. Une fois que tu as ces 100 croyances, c'est fait. Maintenant, tu vas entourer, donc tu vas prendre un stylo vert et un stylo rouge, et tu vas entourer en vert les croyances qui sont positives. Et en rouge, les croyances négatives. Tu as fait cet exercice bien comme il faut, tu comprends? Cela va te permettre de connaître tes croyances limitantes. Et bien sûr, on pourra après, ensemble, si tu le souhaites, creuser tes croyances limitantes et mettre des croyances performantes, mettre des croyances valorisantes pour que tu puisses reprendre une belle estime de toi, une belle confiance en toi. Parce que tu le peux, tu peux y arriver parce que tout est possible. Et chaque personne est différente. Tu as 100 croyances, alors certaines croyances je les ai aussi, mais sur tes 100 croyances, elles sont à toi. C'est unique. Donc tu as besoin d'être accompagné personnellement pour que tu puisses être coaché. Voilà. Donc j'espère que ce petit exercice pour apprendre à te connaître, ben tout simplement tu vas l'effectuer, tu vas passer à l'action et puis ben tout simplement si tu as envie de creuser tes
croyances limitantes et les transformer en croyances performantes, alors ben, je t'attends en consultation de l'autre côté. Alors bien sûr, je te remercie de ta concentration jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, je t'offre les 6 premières pages de mon livre « De l'inconscience à la renaissance ». J'espère que ça te fait plaisir. C'est un cadeau. Il y a un lien, tu cliques dessus et c'est à toi. Bien sûr, si tu veux te l'offrir, il y a un lien dessous PayPal. Il est à moins 50%. Et puis bien sûr, si tu veux me soutenir parce que tu t'es abonné, tu as partagé cette vidéo, tu as mis un petit pouce bleu et parce que tu aimes ce que je fais, tu aimes mon contenu, tu aimes la personne que je suis, tu aimes mon énergie, tu aimes ce que je fais, alors et ben, tout simplement, il y a un lien Tipeee et tu peux cliquer dessus, tu vois tous mes services que je te propose. Et tu connaîtras un petit peu mieux qui je suis réellement dans la vie. C'est marqué, tu verras. Si tu veux me soutenir aussi, tu peux faire un don. Ou alors, tu peux cliquer dans « Regarder une vidéo » totalement gratuite. Et ça me rapportera 3 centimes. Voilà. Tout est dit, tout est classé, tout est bien dit pour que tu puisses apprendre à te connaître davantage. Je fais des vidéos très courtes. Parce que je sais que ton temps est précieux et je ne veux pas te le faire perdre. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je t'attends de l'autre côté. Ciao !